Heureux de nouveau. Donc en fait non, en retournant sur l'outpost, il n'y avait pas de nouvelles quêtes. En fait, les nouvelles quêtes se débloquent après avoir fait la dernière amélioration de vaisseau. Donc eh ben, on va la prendre tout de suite. Cette fois-ci, il me demande de lui apporter 32 diamants. 32 diamants qu'on a toujours sur nous, bien sûr. Hop. Allez, c'est parti. Voilà, la licence de classe 5 avec une magnifique carte. Une fois qu'on a fait ça, on retourne vite au vaisseau pour voir cette fois-ci ce qu'on nous demande pour faire l'ultime amélioration de vaisseau. Celle que tout le monde attendait, celle que tout le monde rêve d'avoir. Alors, que nous faut-il ce coup-ci pour passer en Condor classe? Cette fois-ci, il nous faut donc 20 Solarium Star. Donc 20 Solarium Star, je rappelle que c'est trouvable sur les planètes de difficulté maximum de type magma et volcanique. Merde, c'est pas ça. Hop. Donc vous savez où aller pour trouver ce truc-là. Donc là, il nous en demande 20. On va taper 20, c'est fait. On a nos 20 Solarium Star. Alors, combien il fallait? J'ai pas dit, au fait. Donc voilà, pour faire une Solarium Star, il faut 2 minerais de Solarium. Un peu comme tout le reste, en fait. Donc, c'est pas bien compliqué à faire. Faut juste aller trouver le minerai sans se faire tuer, parce que vu que c'est des planètes de difficulté maximum, vous vous en doutez, c'est pas super évident. Et donc, attention les mirettes, dernier upgrade de vaisseau. Et c'est parti. L'ultime fois où on verra ce petit lapin tout mignon. Et voilà, on peut constater que le vaisseau a été amélioré encore une fois et qu'il est devenu considérablement énorme. Je trouvais plus mes mots tellement j'étais subjugué. Et là, donc, une fois que vous avez accompli cette dernière quête, vous pouvez plus l'agrandir, ce qui me semble logique. Et puis de toute façon, vu l'espace que vous avez, franchement, il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire, il y a de quoi meubler comme vous voulez. De toute façon, suffit d'aller voir la vidéo de démonstration d'ameublement de notre cher Captain Jean Bonneau pour voir comment lui a meublé le sien. C'est plutôt sympathique comme il a fait. Et donc, comme on peut le voir en retournant à l'outpost. Techniquement, de nouvelles petites quêtes se sont débloquées, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc ces petites quêtes-là, ce sont les dernières que vous aurez. Ce sont les dernières que vous aurez. Après ça, non seulement il n'y aura plus de quêtes de boss, mais il n'y aura plus de quêtes du tout. Alors pour l'instant, c'est normal, étant donné qu'elles ne sont pas toutes implémentées. Mais on imagine facilement qu'après avoir accompli ces quêtes-là, il y aura une nouvelle quête de boss. Une fois qu'on aura fait la quête de boss, de nouvelles quêtes se débloqueront, etc., 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 comme précédemment. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ceci dit, accomplir toutes les quêtes devrait quand même vous demander un certain moment. Là, il y a notre ami le pingouin qui était poursuivi par le chien. Alors après avoir agrandi le vaisseau au maximum, on sait pas trop à quoi ce personnage va servir, puisque techniquement il a plus rien à nous donner. Donc peut-être, on sait jamais, qu'il nous donnera des missions d'exploration dans l'espace, ou aller chercher des trucs, ou je ne sais quoi. Enfin, pour l'instant, on n'est pas trop sûr. En tout cas, j'espère que cette vidéo des upgrades de vaisseau vous aura été utile. Elle est un poil longue, je sais, mais il y avait quand même pas mal de trucs à montrer. C'est pas comme si l'upgrade de vaisseau, ça se faisait en deux temps trois mouvements. Ça devrait vous occuper un moment. Mais sincèrement, quand on voit l'espace qu'on a à l'intérieur du vaisseau, ça vaut clairement le coup. Ça vaut clairement le coup. Bon, après, il faut en avoir quelque chose à faire de tout cet espace, hein. Mais bon, ça, je vous fais confiance. Je sais que vous arriverez aisément à meubler tout ça. Je ne me fais pas de soucis. Donc, je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps, parce que ça fait déjà un moment.
Donc moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo des aventures de, Captain Jean-Bonneau ou autre. Y a des chances que je fasse des vidéos pour vous montrer comment accomplir chacune des quêtes de l'outpost, histoire que bah, vous n'ayez pas trop de mal pour agrandir votre vaisseau. Et voilà, donc je vais continuer également les vidéos d'exploration, etc., etc., etc. Donc je vous fais des bisous, jouez bien, explorez bien, et à la prochaine. Salut !